salut à tous, bienvenue sur Endless Space Disharmony où on lance la saison 2. On va essayer de faire mieux que dans la saison 1. J'ai bien dit qu'on va juste essayer, hein, parce que c'est pas sûr. Donc, nouvelle partie. Alors, Spirale 8, 6 empires, taille grande, âge normal, le choix de la race. Alors oui. Dans la partie 1, on s'est fait atomiser par les Amoba. Ils avaient le double de ma puissance et moi j'avais environ le double de la puissance des autres. Donc ils étaient 4 fois supérieurs aux autres. Donc je me dis qu'on va retourner ce qu'on s'est pris dans la gueule contre les autres. Donc les Amoba, ils vivent sur des planètes océaniques. Ils ont un bon alignement diplomatique. Ils ont un style d'exploration et de diplomatie. Eux, ils visent donc une victoire diplomatique ou militaire. Si je me souviens bien, dans la partie qu'on a fait, niveau militaire, ils étaient très bons. Mais pourtant, c'est pas comme ça qu'ils ont gagné la partie. Ils m'ont gagné à l'économie, et j'aurais pu, je pense, gagner à l'économie. Parce que je me suis renseigné sur tous les types de victoires. Et si je m'étais concentré sur un type de victoire particulier, j'aurais peut-être pu les rattraper. Donc, forme extrêmement évoluée d'une espèce inférieure, ces êtres colorés sont originaires d'une planète océanique. Ils ont lentement évolué au fil de millions d'années et développé une philosophie propice à la diplomatie, à la culture et à l'intellect. Sages et raffinés, ils font montre d'une intelligence émotionnelle exceptionnelle, élevée et d'une grande ouverture aux autres espèces intelligentes. Leurs buts premiers sont le voyage, les rencontres et les découvertes. Mais la vulnérabilité de leur forme physique les a amenés à chercher à tourner toutes les situations à leur avantage afin de contrôler leur destin. Si les amibes ne visent pas la domination et la conquête, on peut les comparer à des guerriers ayant pour arme la diplomatie et le commerce. C'est bizarre parce qu'ils mettent en type de victoire principale le militaire. Il y a un petit souci entre le texte et le type de victoire. A mon avis, c'est peut-être diplomatique et commerce ici en fait. Alors, affinité, débute avec la connaissance de toute la carte. Ça c'est nickel. Voilà, procure un ensemble de traits de factions similaires à ceux des amibes. C'est qui les amibes? Je connais pas. Alors la xénobiologie des sols, donc ça c'est une technologie qu'on a directement. Diplomatie, plus 50% générée par les voies commerciales. Ah oui, je me suis aussi renseigné comment on faisait les routes commerciales. Maintenant, je saurais en faire. Symbiose, plus 30% généré par les rues commerciales. C'est énorme, ça. Naïveté, plus 4 par faction en paix ou allié sur système. Oui. Moins 40% pour vaisseau sans module d'armement sur Empire. Ah, ok. C'est peut-être pour ça qu'ils faisaient des... Il y avait aussi un truc, c'est que dans la saison 1, j'avais des vaisseaux que je trouvais en face indestructibles. Alors en fait, il y a plusieurs raisons à ça. De un, c'est qu'à la fin de la partie, on a vu que j'avais un retard technologique qui était à des millions d'années. Donc c'est peut-être ça. Ou aussi, comme ils ont des modules d'armement qui coûtent pas cher, ils font peut-être des vaisseaux invincibles tout court. Compréhension mutuelle. Plus 10% dégâts max par nombre d'alliés sur armement de la flotte. Ça veut dire que si j'ai 4 alliés, par exemple sur les 6, j'en ai 3 qui sont alliés, j'ai plus 30% de dégâts, mais c'est monstrueux. Et sol riche, plus 3 nourriture sur planète. Ok, bon, on accepte. Alors les fractions, on va mettre les Chiridines. On va mettre les Sowers, c'est-à-dire ceux que j'avais la dernière fois. On va mettre les United Empires, parce qu'il faut quand même des humains. On va mettre qui d'autre? On va mettre les automatons et on en laisse une en aléatoire. Go! Alors je vous laisse avec la petite intro, je ne vais rien dire. The oldest nation that we know of. The amoeba strive to live in harmony with nature, with each other, and even in space with their ships.
They have been watching and listening to the stars for ages, hearing the words of the cosmos itself. For the belief of the amoeba is to represent all life and see that it lives in harmony everywhere in the galaxy. Ok. Alors comme vous pouvez le voir, direct, je connais toute la galaxie. Donc je sais où je vais devoir aller en premier, où je dois éviter les trucs. Donc j'ai 3 points d'accès pour accéder à la galaxie principale. Ici, j'ai les Pilgrims. Là-bas, les United Empires. Là-bas, il n'y a personne. Là, j'ai les Sheridan. Là, j'ai les Automatons. Les Sowers. Là, j'ai mal compté. Pilgrims. 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, ok, donc en fait, il y aura deux fois les Sowers. Donc, dès le début, on a donc notre vaisseau colon et notre éclaireur. Donc tout de suite, on va regarder où est-ce qu'on peut envoyer le vaisseau colon. Genre ici, est-ce que ça vaut le coup? Arctique, désert, Arctique, Arctique. Celle-là, elle est incolonisable avant 40 ans. Caïs. Stérile, astéroïde, hydrogène. Pas colonisable. Artemis. Désert. Il y a une océanique qui est pas mal. Le désert se débloquerait assez vite. Mais déjà, la gravité réduite fait pas mal. Et il y a la pierre du vide. Donc ici, on pourrait commencer une petite colonie rapide. Ita, il y a quoi dessus? Je peux développer rapidement la toundra, donc c'est pas un souci. Et quand j'ai dit une fois que j'ai développé la toundra, on pourrait passer facilement aussi à la déserte. Simplement, là je cherche où sont les ressources principales du jeu. Toundra, océanique, pierre du vide, hydromiel, méthane, ok. Ah, c'est quoi glace 10? Glace 10, c'est de la science, mais pas content après. 3 autres brumes quand même, ça c'est énorme. Par contre, il y a une océanique. Les arides sont faciles à débloquer, sauf que celle-là, elle a un gros malus. Et ici, c'est quoi? Aride, toundra. Après, on passe au désert. Ok. Je pense qu'on va commencer donc par la Artemis. Oh, ah tiens, j'ai pas regardé ce côté-là. Ouh là-bas, il y a beaucoup de monde. Il n'y a rien à part la aride. Koshab. Ça là faut oublier. Protoxion. Toundra, toundra. Ah, une double toundra. Ça peut être intéressant, ça là aussi. Ok. Alors, première chose. Le vaisseau colon, enfin notre vaisseau éclaireur. On va s'en servir. Non, c'est pas celui-là. Pour faire le tour du monde. Parce que quand même, faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on explore un système, on va gagner des bonus. Ensuite, technologie, qu'est-ce qu'on va prendre? Moi j'aime bien développer très vite le truc à fusion pour développer les raffineries. Comme ça on améliore cache la production. Et comme ça on découvre où est le titane. Ensuite, je fais le truc à bouclier. Comme ça on développe le laboratoire. Et ensuite il faut se décider, est-ce que je prends le toundra ou la aride. J'ai envie de commencer par la toundra. Voilà, donc j'ai programmé quelques séances pour le départ. Du coup, toi, le vaisseau colon, on l'envoie sur Artemis. Alors toi, ça c'est mes héros. Découverte stellaire, on s'en fout. À la recherche de Riga, on s'en fout. La production. Alors l'exploitation de la océanique. Déjà, on prend de la population tous les 3 tours. On a une bonne croissance. Il n'y a pas de souci. Sur Océanique, c'est population qui rapporte le plus. Ça, ça rapporte que dalle, le reste, ça rapporte pas grand-chose. Donc on va faire la population. Parce que c'est quand même le système de base, donc c'est le système qu'on va vider très vite. C'est lui qui va faire tous les vaisseaux colons au départ. Donc, il commence par l'exploitation.
J'ai 3 déserts. Ouais, donc ça va servir plus tard. Et ensuite, la toundra sert à rien. L'Arctique. Tiens, il y a aussi j'ai l'Arctique. Donc ça, je le fais maintenant. Comme ça, ce sera fait, mais ça prendra effet plus tard. Donc ça, c'est lancé aussi. On va jeter un petit coup d'œil à ça. Facteur sur Empire. Là, quoi? Désapprobation pour surpopulation venant de mode de difficulté. Désapprobation pour... Ah oui, je répète quand même que je joue en mode sérieux. Donc... Il y a la difficulté. Ok, je vais tester un truc. Si je monte, si je descends, les impôts à zéro. Est-ce que j'ai des trucs particuliers? Ok. Si je suis insatisfait. Ok, donc ça veut dire qu'il faudrait que je me mette. Si je suis en heureux, non, c'est pas heureux. Si je suis. Non, c'est même pas satisfait. Ok, donc quand je suis en extatique, j'ai plus 10% de recherche. M'intéresse pas. Là, le but, ça va quand même être de gagner de l'argent. Voilà, bon, ça fait un petit truc. On gagne pas beaucoup d'argent. Donc, le héros, je pourrais pas l'acheter avant beaucoup de tours. Ça, c'est fait. Les accords de paix, on n'a encore vu personne. On peut y aller. Premier tour terminé. Bon, là, on va essayer de jouer avec. On va essayer de voir plus de choses. Allez, on bouge les vaisseaux. Ok, on a découvert le premier système. On passe au système suivant. Toi, tu n'y es pas encore. Et tour suivant. Rien eu à faire. Allez. Ah, ça y est, enfin, premier event. Plus 10 productions sur le système. C'est bien mal. Ça franchement, c'est plus 10 de production au début, c'est énorme. Pourtant, c'est pas. Ah, il a pas atteint la planète, lui. Chelou, ça. Lui, pour pas arriver. Et ma construction n'est pas encore terminée. Ma recherche est terminée. Donc c'est le titan, c'est le titanium. Donc déjà j'en ai pas sur ma planète de départ, c'est pas cool. Oh le bordel! Des chasseurs pirates sur Caïs. Et ben non, sur Artemis. Donc il fallait plus qu'à tenter la fuite. Ça par contre on n'en sait rien. Si ça pète, on est mort. On n'est pas mort. Ok, ça veut dire qu'on change de plan. On va partir ailleurs. Ça, c'est sur Artemis. Une flotte pirate apparaîtra. Merci. Ma science donc terminée. Et toi, c'est plus 10 en science. Ok. Donc la flotte, va falloir qu'on l'envoie sur Feta au final. On va aller coloniser les planètes océaniques d'ici. Et jungle. Ma recherche est terminée, une autre s'est enclenchée, on peut enchaîner. Ok. Patience héroïque, je sais pas c'est quoi. Ok, lui apparemment il a du mal à déclencher des events. D'ailleurs lui en fait il déclenche peut-être pas d'events, ça se trouve lui. Alors ma production s'est terminée. Il va enclencher celle-là, sauf que celle-là, pour l'instant, elle sert à rien. Donc, on va inverser pour qu'il fasse d'abord la raffinerie. Ok, on enchaîne. Donc, dommage parce que Artemis, c'était une planète qui m'intéressait beaucoup. D'ailleurs, ils viennent de se casser d'Artemis. Du coup, je vais retourner sur Artemis. Ils sont chelous, leurs flottes pirates. Bon, j'ai pas eu de bol pour ça. Allez, hop, on lance le mouvement. Donc, toujours en cours de production, toujours rien à faire. Et là, ma science, elle s'est peut-être terminée. On fait bouger les vaisseaux. La science suivante. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que je me rapproche
de ceci. C'est quoi ces vaisseaux? C'est du tonnage en moins sur des modules antimissiles. Ok, donc on va passer par les... la science ou pas, ça fait quoi ça? Ça c'est les modules de réparation. Perturbation de l'arme. La vitesse, non. Pas intéressant. Ça là je l'ai déjà, donc je m'en fous. C'est quoi ça? Plus 2%. Voilà. C'est pas mal ça. Ça, ça fait une bonne approbation après. On va commencer à prendre ceci, à trouver toutes les ressources de luxe. Et quand on aura fait toutes les ressources de luxe, on ira commencer à prendre autre chose. On ira chercher le réacteur compact. Le propagateur, toutes mes photons bougées, on continue. Là, on est sur la factory normalement bientôt. Bah d'ailleurs, attendez, j'ai pas programmé la factory? Ah si, c'est terminé. Du coup, comme ma factory s'est terminée, je vais programmer mes premiers vaisseaux. Alors tous ces vaisseaux-là, on supprime. Moi, je vous ai dit que tous les vaisseaux de base, j'aimais pas ça. On va essayer de se concentrer dessus un peu mieux. Ajouter. Donc, j'ai le choix entre le vaisseau virus ou le météo. Alors, moins 30% de tonnage des modules de bouclier ou moins 50% sur le module civil. Et ben un module civil tout de suite. Donc on va lui mettre un module civil. Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Et on va lui mettre de la vitesse. Comme ça on aura un module civil rapide en plus. C'est donc le colon. Et on va créer notre premier colon. Qui va se faire avant la ferme, parce que la ferme pour l'instant elle me sert à rien. Ok. On lance les mouvements des vaisseaux. Ok, la flotte elle en attente, je l'envoie là-bas. C'est parti, on lance. Ah, du coup, avec ma recherche, j'ai accès à Ita. Ita, il y a de l'hydromiel. Parfait, il faut y aller. Donc ça, c'est toutes mes ressources de luxe qui ont été découvertes. J'en avais un paquet. Donc là-bas, je m'installe sur Artemis. Sur Artemis, tout de suite, c'est une océanique. Donc, population. Après population, on fait la raffinerie. Après la raffinerie... On va faire l'argent. D'abord, la science. Après la science, on fera la population. Et après, on fera l'argent. Donc, pendant 21 tours, je vais pas toucher Artemis. Toi, tu as trouvé cette planète-là, tu n'as rien trouvé du tout. Ok, toi, en fait, tu me sers à rien. Parce que quand tu vas sur les planètes toi-même, tu déclenches aucun event. Donc ça c'était un truc pour me dire bravo, vous avez fait votre première colonie, vous êtes beau gosse. Ça produit, on touche à rien. Tiens, d'ailleurs en fait je vais enchaîner tout de suite par un deuxième colon. Voilà. Déplacer. C'est quoi ça? Ok, c'est à rien. Donc cette flotte là, tant que j'ai pas atteint le trou de verre, elle me sert à rien. Il me faut la technologie trou de verre pour pouvoir m'en servir pour l'exploration. Ok, toujours rien à faire. Ah mince, par contre j'ai laissé monter mon argent. C'est pas bon du tout ça. On va recruter. Alors lui il est comment? Administrateur et aventurier, bah, parfait. Lui il va aller servir tout de suite mon système principal. C'est celui-là. Et ça coûte combien le suivant? C'est 80, ok, donc lui je l'ai pas raté par contre. Ça force. J'ai fait une erreur, j'ai zappé ma thune. Du coup, j'ai un léger retard sur le héros, c'est pas cool. Par contre, ma thune est bien montée. Ok. Donc je sors mon vaisseau colon. Il faut que je me décide où je l'envoie. Ita ou Procoyon. Ouh, Procoyon, il y a quand même du titane. Ça, c'est très intéressant le titane. Après, le désert, je pourrais l'avoir rapidement.
la toundra, on va l'éviter à cause des irradiations, parce que ça fait beaucoup. Mais en fait, on va donner la priorité aux titanes. Je sais que j'avais dit que je voulais prendre Ita, mais du titane, c'est prioritaire. Et on continue. Trouver des technologies comme le titane, enfin des ressources comme le titane, c'est toujours prioritaire. C'est parti, tu colonises, tu prends celle-là. Alors t'es quoi? T'es une toundra. Une toundra, il me semble que c'est la bouffe. C'est la bouffe. Parfait, une fois que t'as fait ta bouffe, tu me lanceras la raffinerie, la recherche, la ferme et l'agence. Donc c'est pareil, toi on te touche pas avant longtemps, ce qui compte c'est que t'apportes du titane. Et on lance là l'effet Casimir, et après qu'on ait fait l'effet Casimir, il va falloir qu'on aille dépenser un peu ailleurs. Voilà, après qu'on a fait l'effet Casimir, on se lance dans le commerce. Ensuite, ça, c'est pas mal, mais pas tout de suite. La recherche civile, ça va nous intéresser, ça. Parce que comme on va prendre beaucoup de colonies, il va falloir qu'on satisfasse nos copains. Et ensuite, il va falloir qu'on commence l'armement. Donc, les lasers, le siège, et certainement les points de commandement. Voilà. Là, j'ai lancé ma recherche pendant un petit moment. Se passer de ça, on continue. Prochaine science, ce sera le trou de ver. Donc on a accès à deux planètes là-bas maintenant. Toujours rien passé, on continue. Il se passera souvent rien. Alors, le mec il est monté de niveau, il va tout de suite passer travailleur 1. Ça donnera accès à des super bonus ensuite. Sauf que là, j'ai raté encore le deuxième héros. Que je vais prendre... Les deux, c'est pareil en fait. On va prendre Freeman. Parce que Morgan Freeman, c'est le plus fort. Affecté à un système, tu vas aller sur Artemis. Voilà. Et le prochain, si je me souviens bien, c'est 120. Et celui-là, j'ai évité de le rater. Je vais essayer de pas le rater. C'est 120 ou 140. Oh, je sais plus, mais... Il doit pas y avoir grande différence. On va aller programmer la suite avec Amar. Ah, je peux coloniser l'Arctique, c'est vrai. Donc, une fois que lui est fait, il faut que je lance la programmation, la colonisation de l'Arctique. Ça passera avant. La science, il faut que ça fasse, faut que ça le fasse aussi, la science. J'ai oublié. Donc, c'est juste après le colon, on fait la science, colonisation de l'Arctique. Et on fait la thune après. On continue. On va jeter un coup d'œil pour la suite. Alors, mon vaisseau colon, il s'est fait. Je le sors. Il faut savoir où je vais l'envoyer. Alors, ici, Arctique, planète creuse. Mais il n'y a pas de ressources. Koshab. Il n'y a pas de ressources et il y a un malus. Hors de question qu'on y aille. Toujours rien là-bas. Ah, et il y a la planète, enfin, il y a la flotte pirate qui est là-bas. Donc va falloir que je prépare, que je commence déjà à faire une flotte, ça va être chiant ça. Ici il n'y a pas de ressources particulières apparemment. Ah, à moins qu'on les voit pas. Non si, le titane je le voyais tout à l'heure. Ouh, cette planète là c'est pourri ici. Fedge on va oublier. Ocelot, c'est pas bien non plus. Delphinus. Planète creuse. Longue saison, c'est pas intéressant. Planète désert, normalement les déserts je pourrais les avoir rapidement s'il faut. Si t'es abandonné c'est pas mal. Alors c'est Feta. Feta c'est bien. Il y aura la pierre du vide, il y a beaucoup de choses. Donc toi, tu vas aller à Feta. Alors on a une planète qui est en siège, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Alors, on va prendre plus de production ou plus de nourriture? Plus de production. La nourriture, ça se va, ça se pop tranquillement. On le touchera plus tard. Et le reste, ça enchaîne la production. Donc, il n'y a pas de souci. On continue.
Alors, toi tu montes de niveau, c'est pareil, tu prends Director 1, tu feras exactement le même parcours, on bouge les vaisseaux. Il y est presque, ça va bien se passer. En attendant, les copains, ils en sont où? 3 systèmes, 2 systèmes, ou 4 systèmes? Ah, eux, ils en sont pas mal. On est toujours dans la course apparemment, et au niveau des points, faut que je voie ça. On a un léger retard quand même, c'est inquiétant. Le retard, il est pas bon. Mais on va essayer de le combler le plus vite possible. L'explorateur, je l'envoie sur Procyon. Alors, on a fini plusieurs productions, par exemple à Akamar. Akamar. Oui, maintenant il va lancer la colonie. Donc je laisse faire. Et par contre, là-bas, on colonise Fatia. Alors, l'hydromiel, ça a l'air cool, mais je vais ici parce que au moins, j'ai tous les bonus tout de suite. J'ai pas encore tous les bonus là-bas par contre. Ouais, on va commencer par ça. Donc c'est pareil, tout de suite on lance la population, ensuite la raffinerie, recherche, les fermes et l'agence. Et on laisse bosser. Le reste est fait, on enchaîne. On en est à 3 tours de pouvoir faire les sauts hyperespace. Ça va nous aider. Ah, premier événement aléatoire. Découverte d'une technologie NLS dans une épave. Les flottes vont 50% plus vite un peu partout. Donc il n'y a pas de souci. Toi, t'attends encore le truc. Et on avance. Tour suivant, je peux peut-être avoir mon troisième héros. Alors ça, on s'en fout. Oups. Bon, va falloir que je fasse les productions à la main parce que j'ai fait une bêtise. Ça aussi... Ah, ça veut dire que j'ai ma technologie, ça. Voilà, donc c'est parti. L'explorateur. Il faut qu'on aille faire un tour. Hop là. Plus 1 XP sur la flotte alpha. Génial. Alors ça, franchement, c'était le rêve de ma vie. Le plus 1 XP, je suis super heureux de l'avoir eu. Non, je déconne, c'était de la merde. Alors, il faut que je regarde. Artemis, il n'y a pas de souci, on peut rien y faire. Ita, j'y suis pas encore. Akamar, ça s'est terminé, ça enchaîne. Ça va. On va lancer tout de suite une de la bouffe. Et la bouffe, ça passera avant l'agence. Procyon. Ah, Procyon, ils se sont déjà blindés en population. Donc on va décaler celui-là alors. S'ils sont déjà blindés en population. Et ça, il y a bien Tundra. Oui, il y a Tundra. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est écrit Tundra ici, et là c'est marqué Tundra. En fait, le bâtiment, ils donnent les noms en anglais, et eux, ils écrivent en français. Petit bug de traduction, bon, c'est pas grave, c'est un détail. Et là, l'exploitation arrive. La science, on enchaîne. Alors, faut que je regarde ça, le troisième. Combien il coûte? 140. Je gagne de l'argent en ce moment, je gagne 6, donc ça va arriver. On enchaîne. Ok, cette fois-ci, les productions sont terminées, ça va enchaîner, il n'y a pas de souci. Et j'ai un héros qui est monté de niveau. Ah non, lui, il est nul en fait. Entrepreneur, c'est pas génial. Continue de monter le travail. Tu vas être un peu chiant toi en fait. On bouge la flotte. Excusez-moi. Nouvel événement. Plus 10% de science sur l'Empire. C'est cool. On va passer ici maintenant. Ah, tu n'y es pas encore. Dommage. Et on avance. Et le tour 25, on le fera demain. Donc merci de m'avoir suivi. On continue la série dès demain. Allez, ciao à tous, bye bye.